J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière vidéo concernant le tuto du Traveler's Notebook. Alors cette vidéo-là aujourd'hui est consacrée à la réalisation des carnets qu'on va insérer dans le Traveler's. Alors je fais cette vidéo, mais il y a des travaux, donc ça tape. Il y a le chien qui aboie. Bon, les conditions sont pas franchement réunies, mais j'espère que vous entendez pas trop que ça reste un bruit de fond. Pour moi, c'est pas très agréable, mais bon. Voilà. Alors, donc je reprends. Alors pour les carnets, en fait, j'ai pris les carnets de chez Action, ceux qui sont vendus par lot de 3. Voilà, c'est ce que j'utilise pour faire les petits carnets. Alors en fait, ce que je fais, c'est que j'en prends un. J'ai déjà fait, hein, donc je ne vais pas le faire là, mais je vous montre. J'en prends un et je le découds. J'enlève les coutures. Voilà, pour libérer les pages. Dans les carnets, il y a 30 pages. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que je fais des lots de 10 pages. Donc ça me fait 3 lots de 10 pages. Voilà. Et je conserve la couverture d'origine parce qu'elle va me servir de gabarit. Voilà. Alors, avec ça, donc, j'ai pris des papiers de la même collection que ce papier-là, que j'ai découpé à la dimension d'origine. Je crois que c'est un peu plus... Ouais, c'est un peu plus long. Alors, j'ai fait exprès de couper un tout petit peu plus long parce que je préfère redécouper une fois que les feuilles seront à l'intérieur. Voilà. Donc, une fois que j'ai le papier que j'ai choisi, je plie la feuille en deux et ensuite, je vais venir mettre la couverture d'origine à l'intérieur et en fait avec un crayon à papier je vais venir marquer l'emplacement des coutures. Voilà, comme ça. J'espère que ça a fonctionné parce que je trouve les trous super étroits. Ça marche. Ah ben ouais, ça va. Bon, je suis un peu à côté, mais enfin, ça me donne quand même l'indication du positionnement des trous. Parce qu'après, en fait, je vais revenir faire la couture. Je vais recoudre mes carnets, en fait. Voilà. Alors, voilà. Donc ça donne ça. Et ensuite, avec une aiguille, j'aurais pu préparer avant, ça aurait été mieux. Voilà. Avec une aiguille, je vais venir percer le papier pour préparer le travail de couture. Donc je fais ça pour tous les trous, je m'aligne bien dans le pli que j'ai déjà fait. J'ai terminé de préparer les trois carnets. Donc voilà ce que ça donne. Je les ai cousus. Je vous montre à l'intérieur.
Voilà. Donc le nœud est ici, là, à l'intérieur. Et l'extérieur est comme ça. Donc ça fait propre. Et du coup, j'ai trois carnets de 10 pages dans des papiers assortis à mon Travelers. J'ai ajouté aussi un pompon et une breloque étoile de mer. Et je vais maintenant insérer mes carnets. Voilà, les carnets sont insérés. On a trois carnets. Voilà. Donc, ce tuto est maintenant terminé. Voilà. Donc, c'est la troisième et dernière vidéo consacrée à la réalisation d'un Traveler Notebook. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura donné envie de refaire ce tuto. Voilà. Donc, abonnez-vous. Si ce n'est pas déjà fait, likez cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires. Voilà, même des remarques, des conseils. Tout est bon à prendre. Donc n'hésitez pas, je vous répondrai. Et donc, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.